Salut à tous, on est parti pour le troisième match de la MTT du groupe A, tier 2, et ça se jouera contre Godinir. J'ai oublié le nom de sa team, honte à moi, honte sur moi. Gaff, voilà, c'est ça, j'avais un doute entre Gaff et Somme. Et Somme, c'est que c'était contre Silver que la semaine dernière. Donc, il joue KO. Donc, j'ai peur. Voilà. Donc, on va essayer d'être au top. Même si j'ai un peu mal au crâne. Les effets de l'hiver. J'attends juste que mon adversaire me fasse signe pour lancer le match. Et le matchmaking qui va prendre encore 3 plombes. Donc, vous aurez encore plein de coupures. En attendant, on peut peut-être aller voir vite fait groupe A. Alors, Godinir. Pas. Orgel, KO, Godinir, c'est le premier. Alors, un guerrier avec bloc, ouch, un homme bête blessé. Des blessures subies par. Ok, bon, ça va. Lutte. Et Shetteg, ouch. Ça va être son blitzer, hein. Ok. 3 relances, ok, très bien. Il a 1130 de TV, 1030. Ok. Ah, je suis en train de prévenir de balancer, puisqu'en fait, la MTT pour les poules fonctionne en ladder, donc il faut qu'il y ait que les deux joueurs du groupe A qui lancent, sinon on risque de tomber contre quelqu'un contre qui on ne devait pas jouer. Donc j'attends le go de mon adversaire pour lancer la recherche. Apparemment il avait prévenu dans le chain général. Ok, il a lancé la recherche, je lance aussi. Du coup, nos bretoniens. Oh, ils vont bien, voilà. Ils vont bien. Ah oui, j'avais fait un 1. Ouais, j'aurais bien aimé prendre une troisième relance, mais bon. Je pense qu'on va prendre cher sur ce match. Honnêtement, je le sens moyen. Comme j'ai dit, j'ai un peu mal au crâne aussi. Je sais pas si je vais voir toutes les actions. Bah comme un peu le match précédent où. Enfin, j'ai refait le match, le deuxième match de la MTT, je l'ai refait dans ma tête le soir. J'ai eu du mal à dormir en me disant, mais pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait telle action à ce moment-là et tout. Donc là, je pense que ça va être un peu pareil, donc je vais faire de mon mieux, surtout que l'équipe phare, donc avec Kroger, Nekar et moi-même, on a l'obligation de gagner cette rencontre contre la team GAF. Sinon, on passe pas les poules, quoi. Donc, je vais faire de mon mieux, et puis on va espérer que les dévins seront de mon côté. Après, je pense que Godinir a un meilleur niveau que moi, donc on verra. Ah, ok, c'est bon, c'est parti. On valide. Ok, on a 104 par donné, je vais prendre la relance parce que c'est ce qui me manque. Pff, ou alors je prends deux serveuses. Non, la relance, je pense que la relance c'est pas mal. Hop. Parce que lui a 3 relances, donc j'en ai que 2. Donc avec la relance, je pense que nos deux teams sont assez équilibrés. Je pense que ça va bien tabasser hein, des deux côtés. Je vais prendre l'attaque du coup. Hein. Et donc c'est parti, je vais afficher les compétences parce que je me rappelle jamais qui a quoi. Bon, mis à part que les chèvres ont toujours cornes, ça je le sais, mais.
Wow. Toi, un troisième sur la ligne, voilà. C'est rigolo, il fait une espèce de défense anti-elfe. Alors, on y va donc, on va mettre le Blitzer, le Bludger. On va mettre le Bludger à portée pour récupérer la balle. On va mettre. Alors, j'ai pas envie de mettre 3 bloqueurs. Je vais mettre un lutteur au cas où. Deux supports comme ça. On va resserrer la défense en cas de. De surprise. Mes petits trois quarts là, ils sont un peu nuls à chier, donc on va se mettre là. 6 de 1, 6 de déplacement, il faut que je le mette là d'un cran. Bon. Je m'avance peut-être un peu trop. On va plutôt faire comme ça. Tac. Tac, voilà, histoire d'avoir du soutien s'il y a un souci derrière. Voilà, là on a deux, là on a qu'un, il peut passer par là, mais bon, ça devrait aller puisque c'est guerrier du chaos. 5 de mouvement, 1, 2, 3, bon, ils pourront pas faire tout de suite le tour, ça me paraît correct. Hop. L'invasion de terrain. Ouh. Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on a une bonne opportunité sur la droite comme ça. Il va falloir la prendre tout de suite. Je vais garder ce bloqueur là, ce blitzer là pour avancer. Faire des cages, je vais bloquer avec ces deux là pour faire le trou. Ça me paraît pas mal. Je vais pas avoir besoin de lui, donc je vais le mettre en défense de la balle. Au cas où. Voilà. Ensuite, on va faire les blocs. Ok. C'est bon, ça passe. Alors là, j'ai pas bloc, mais j'ai lutte, donc ça devrait le faire. Ah oui, je vais utiliser lutte, hein, bien sûr. Ok, donc ça commence bien quand même. Alors. Non, je vais pas faire ça d'abord, je vais aller tout de suite bloquer par là. D'abord, on fait d'abord les déplacements. Pas d'erreur, hein. Le blitz est assez dangereux sur son bloqueur. Il faudrait que l'intrépidité tique, donc je préfère d'abord gérer la balle. Hop, voilà, on y va. Alors là, on est quoi? On est à 3+, 3+. Ouais, avec réception. Je vais tenter la passe. Voilà, très bien.
Avec relance, allez, ça passe. Voilà, avec réception. Alors, ensuite. Donc, lui, il peut aller là. Lui, il peut aller là. Donc, le KO, il peut aller là. Donc, limite, en fait, faudrait le bloquer là, tout simplement. Faut que je pense aux deux qui sont là aussi. Alors. Lui, il va avancer. Lui, il va avancer. Ils peuvent aller jusqu'où? Là-bas. On va se mettre là-bas. Faut que je me dépêche. Il est déjà, 16, il est déjà 50, j'allais dire. Il est déjà 21h50. Lui, il pourra pas y aller. Donc, lui, je vais le mettre. Là, on soutient. Là, on soutient. En fait, le mieux, c'est de les marquer, hein, tout simplement, je pense. Ouais, je me... Ouais. Par contre, j'étais con, je me suis mis à portée de bite du mec, là. Non, mais c'est pas grave. Et puis, on va claquer le blitz avec l'intrépidité, on verra bien. Tic, très bien, un poussé. Est-ce que je poursuis ou est-ce que je vais... Non, je vais juste le pousser et je vais mettre un peu de défense. Est-ce que lui peut y aller? Oui. Au cas où, je vais le ramener par là. Je vais marquer tout de suite, hein. Je vais même pas chercher. Enfin, à moins qu'il réussisse à une esquive. Ouais, voilà. Bon, ça c'est déjà assez bien. Là j'ai été con, hein. J'aurais dû me mettre une casse plus tôt. Yes, il est tombé. Ah, je cherche même pas. Je fais ça, voilà, hop. Merci l'événement, quoi. Alors. On va mettre les pions devant, comme d'hab. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a écrit. Oui, je sais, je peux pas avoir plus de deux joueurs. Ah, mais sinon, je suis chopé avec mes chers. Oui, c'est vrai qu'il pouvait rusher avec la chèvre. C'est aussi pour ça que je m'étais écarté. Que je pense... Enfin, j'ai mal regardé les zones, mais... Bon, c'est bon. Le TD est passé. Maintenant, faut assurer la défense. Hein. la chèvre, elle peut aller où? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, ça fait peut-être un peu loin. Je vais mettre là... J'ai fait l'erreur dans mon précédent match de mettre mes... Mes joueurs trop... Trop sur le côté. On va échanger, on va mettre lui là et lui là. En mettant. Ouais, non, je veux mettre au moins deux blitzers devant. Ça me paraît pas mal. Allez, on valide.
Donc là, je sens qu'il y en a qui sont en train de crier. Quand vous allez voir la vidéo, vous êtes en train de crier: ah, c'est quoi ce positionnement de merde? T'as mis des troupes partout, blablabla. Oui, je vous l'accorde. Je suis pas très bon en positionnement d'engagement. Donc là, ça sent le blitz. Ça sent le blitz à la châtaigne. Bon, ça fait quand même deux matchs. Parce que j'ai eu la contre Pancho, j'ai eu la même chose à deux tours de la fin en SKB. Donc j'ai pas mis le match sur YouTube. Où un événement comme ça, émeute, m'avait un peu sauvé la mise. Ah bah tiens, parfait la relance. Oh purée, hey, le ballon quoi. Ça va, ouais. Donc là ça va, il a le bloc. Les armures tiennent, tout va bien. Pousser, ça me va. Bon, fallait bien qu'il y en ait un qui passe. Sonner, bon ça va. Il y a un petit trou là, mais j'ai les blitzers derrière. Ah voilà, parfait. Relance, pousser. Bon, pour l'instant, ça va. Donc il a plus de relance pour ce tour. Donc ramasser la balle. Et limite, en fait, ça vaut presque le coup qu'il échoue de ramasser la balle. Pour que la balle, en fait, se barre complètement autre part sur le terrain. Ok. Alors, qui c'est qui a besoin d'XP? Tu peux tenter une XP. Donc là, il a un bloc, ok. Alors, ça va être quoi le plan de jeu? Donc là, je resserre juste la défense pour être à deux cases. En plus, là, le cadavre bloque un peu. Je vais mettre lui là. Je vais blitz là. Comme ça fera un éventuel. Ouais, enfin, il a forcément le support ici, de toute façon. Mettre la défense là. On va blitz comme ça. Bon, on va repousser, hein. On va rester parce qu'on veut pas se prendre une baigne. Et on va replacer la défense. Voilà. Comme ça. Tac, tac, tac. Tac, si je me mets là, il peut pas. Mais il pourra pousser comme ça. Blitzant, oui, avec les cornes, il pourra blitzer. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais les avancer de deux cases. Voilà. Tac. Tac. Mais bon, de toute façon, on va pas toucher, ça sert à rien. Il a un bloc là, il a le beat, ça fait que deux blocs. Ça limite son nombre de blocs, c'est bien. Il a toujours pas la balle. Faut qu'il réussisse à la ramasser, ça le ralentit. Blocage. Ah, heureusement. Heureusement que les doubles KO tombent sur le bloc. Donc là, il va commencer à me marquer, hein, parce que... Bah, il faut bien. Je me doute.
Je me doute que c'est fait exprès. Donc là, il va y avoir blitzé à la châtaigne. Hein. Donc voilà, sur le lutte. Ah, ça ramasse. Ça passe. Il va blitzer sur le... Bien joué. Ça touche pas, ça me va. Ce qui serait bien, c'est que tu le recules. Non, tu veux pas le reculer. Bon. On va commencer à relever. Si je fais ça, ça me fait perdre. C'est peut-être un peu dangereux d'enlever de la défense maintenant. Là, ça laisserait un trou. En fait, j'aimerais bien soit lui dégager son sa châtaigne. On va tenter de lui dégager sa châtaigne. C'est un peu risqué ce que je fais là. Je vais rester pour garder le support. Ok. Là j'ai parade. Je vais me prendre des blocs. C'est pas grave. Fin de tour. C'est bien. Enlève tes guerriers du chaos. Ok. Ah voilà, c'est bien. Une relance en moins. Plus de relance pour ce tour, c'est bien. Touche, ok. Et ça touche.
Et ça touche. Ok. Et il avance. Alors. Qui va faire quoi? Je pourrais pas avoir son porteur. Il a une chef qui est presque démarquée. Alors, est-ce que c'est un appât? Alors, lui, on va le remettre là. Lui, on va le remettre là. Voilà. Comme ça, je vais blitzer avec lui. Et s'il tombe pas, j'aurai une seconde chance. Mais... Ah, ça sera pas génial parce que je le repousserai peut-être dans le... Dans le côté. Alors, on va resserrer la défense là. On va relever. On va reculer pour éviter qu'il me bloque 3... Trois chèvres. Enfin, trois chèvres, trois mecs. Il lui reste un passage là. Ah merde, j'ai pas enlevé lui. Ça va. Ça touche. Serrer par là la défense. On relève lui juste pour qu'il fasse chier. Et on tente. Non, on tente pas l'intrépidité, n'importe quoi. J'aurais pu tenter le blitz. Mais bon, avec l'esquive, c'était. Voilà. Ça va l'emmerder. Du tout. L'esquive était un peu couillue, mais bon. Ça va le ralentir un peu, je pense. Et là, ça m'emmerde, mais je risque d'être surf. Je préfère pas. Si à un moment j'ai vraiment pas besoin du blitz, je blitzerai, je sortirai du truc. Il va blitz avec sa châtaigne. Oula. Allez. Il va venir marquer. Ok. Ok. Donc là, bloc. Je marque. Ouais, mais je pourrais pas. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Un truc à. Je peux faire ça. J'ai un blitz sur son porteur, ça se tente. Ça se tente. On va rapporter un soutien là pour faire le bloc, ça ramènera de la défense. Lui, il est très bien là. Je vais mettre un lutteur là. Pour lui bloquer son châtaigne. Enfin,
Il va certainement se prendre une patate, mais bon, avec un lutteur, ça limite les chances. Enfin, il n'y a pas bloc, tu me diras. C'est pas... ensuite. Là, j'ai pas envie de laisser un trou. Mais en même temps, ça m'emmerde de le laisser là. J'ai reculé d'une case. Histoire qu'il puisse en revenir rapidement sur le côté gauche. Alors, on va commencer par le bloc, censé être facile. Voilà. Faut pas que je le bloque, lui. Je vais peut-être en avoir besoin. Chier, il est marqué, j'avais pas vu. Le problème, c'est que ça va lui donner... Mais il est marqué. Je vais tenter, hein. Comme ça, ça va lui donner un truc. Si je pousse comme ça... Au moins, il serait... Ouais. Ah, mais déjà, je le mets dans sa cage. Ah, ça m'emmerde de... Si je le mets là, je pourrais le mettre là. Oui, mais c'est pareil, pousser là, ça... Je me tâte. Bon, allez, je vais tenter ça. Voilà, laisse qu'il puisse voir. J'ai l'opportunité, donc... Si je le tombe, faut qu'il re-ramasse la balle derrière, ça lui fera perdre du temps. Tendu quand même. Ça peut se faire, ça peut se tenter. Ça se tente. est-ce que je poursuis? Ouais. J'aurais été là. Tac tac, je rajoute une zone de tac, il est obligé de faire bloc comme ça. Ça l'emmerde. Ça l'emmerdera un petit peu. Là c'est chaud. Non, j'aurais pas dû faire ça. Le timer m'a stressé. Oups. J'aurais absolument pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai un dé contre bloc. J'ai n'importe quoi. En plus, je prends un sonnet. N'importe quoi. Grosse erreur. Bon, ça, c'est pas trop grave. La balle est au sol. Il a personne de démarqué. Pour le moment. Il reste 3 tours. Il faut qu'il ramasse la balle sans relance. Avec des chèvres. Bon, c'est du 3+, hein, mais... Donc là, il va faire un bloc avec châtaigne. Ah, le moindre bloc foiré... Ah, ça tape. Voilà, donc là, il enlève une zone de ramassage. J'aurais jamais dû faire ce bloc. J'ai entendu le timer, j'ai fait merde, merde, merde. J'ai cliqué et j'aurais pas dû. Alors, je l'aurais mis sur la balle pour tenter la RNG. Après, il va certainement démarquer, voilà. Donc lui, c'est blitz direct. Si je peux. Et il a lutte en plus. Ça tape, j'atteigne.
Ça tient. Les armures tiennent, ça me va. Allez, un petit raté, là. T'as plus de relance, Godinir. T'as plus de relance. Rate, j'exige. Aïe, ramassage avec le chaos, un guerrier du chaos. Mais je pourrais peut-être y aller à l'intrépidité, hein. D'ailleurs, j'ai un blitz... J'ai un blitz direct sur le porteur de balle. À 2D, si l'intrépidité tique. Mais... Il a un mec démarqué. Je vais mettre mon bludger là. Ok. Lui va se relever. Lui va venir là. Lui, il faudrait qu'il revienne en défense. Ouais, en fait, j'aurais dû blitz avec lui. Je sais pas. J'ai une esquive, j'ai deux relances, hein, faut que je le tente. Je vais bloquer ces chèvres-là. N'importe quoi. Et on va poursuivre. Oh, sérieux? Non, quoi. Bon. Ok. Bon, je vais faire ce bloc, puisque voilà. Ah putain, c'est pas vrai quoi. Et du coup, j'ai plus aucune défense. Le pire truc. Putain, le pire truc. Bon, là, j'ai un lodger. Je pourrais toujours aller le choper à l'intrépidité, quelque chose, mais. Il peut rater, hein. Il est en sous-zone de taxe, il loupe un bloc, machin. Il peut toujours rater quelque chose. Voilà, donc un poussé en parade, donc c'est parfait. Ah, il va tenter... oui, tu me diras, oui. Ça touche. Donc ça, là, ça libère... Ah non, ah si, ça libère son porteur. Okay. Voilà. Et donc là, je suis deg. Ah ! Double crâne. Donc, ça me laisse un blitz. Alors, au cas où, on remonte tout ça. Je pleure intérieurement. Merde. Mettre le paquet là. Attends, est-ce qu'il a la portée, lui, pour blitz? Oui.
Allez, je fais l'action dangereuse tout de suite. Ah, j'avais une mise de paquet. Ah, je l'ai pas vu. Ah putain, ça tire. J'ai absolument pas vu la mise de paquet. Je l'aurais fait quand même. Bon, on va tenter de faire des blocs, hein, c'est tout. Quoique, je pourrais peut-être... Faut que je rajoute des zones de tacle. Et j'ai plus de relance. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un 3 plus... Je vais tenter l'esquive, ça pourrait m'assurer hein, quelque chose. Yes. Bah voilà. Il va tenter d'enlever certainement des supports et puis courir avec une esquive. À moins de faire un truc arrière, il aura forcément une esquive. Allez, tiens le coup. Yes. Ça va, les sonner ça me va. Les sonner ça me va. Deux mises de paquet pour le blitz. Blitz comme ça, esquive. Ah mais non, parce qu'il faut qu'il marque ces deux-là. Avec bloc. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Yes. Ok. Ouf. Alors, je restais comme ça, c'est pas mal. Ah merde. Sur YouTube. Voilà. La deuxième mi-temps peut moins bien se passer. Donc là c'est là où ça va commencer à être galère. Voilà.
Donc là, Blitz, DD. Ça touche. Châtaigne, il sort. Blessure. Sonner, ça me va. Ah, sonner, c'est chiant. Mais bon, ça me va. Cras, ça ramasse. Bon. On va relever ça, on va pas lui donner de blocs gratos. Deux mises de paquet. Sauf que lui peut y aller. Sauf que j'ai plus de défense. Et faut pas mettre de Jaffi puisqu'il neige. Donc. Réfléchissons. On va mettre la pression sur le porteur. Donc c'est lui qu'il faut que je bouge, que je mette là. Mais il faut absolument que je tombe lui. Donc c'est un petit risque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va mettre lui là pour remettre de la défense par là. Ok. On va mettre ça par là. 1-2, 1-2. Bon, j'ai pas suffisamment, mais c'est pas grave. Lui, on va le laisser pour faire des zones de tacle. Ensuite, on va... Blitz est comme ça. Ah putain, tout ce qu'il fallait pas quoi, fallait pas que le cadavre reste là. Fallait pas que le cadavre reste là. Putain. Fais chier. D'abord, on va resserrer la défense, c'est pas grave. Pour faire mal. Voilà. Je vais le mettre là. Je sais pas si c'était une bonne idée. Je sais pas trop en fait. Je sais pas ce qu'il y a mis entre le mettre là et le mettre là. En même temps, là, avec le cadavre, ça bloque le passage un peu. Et à lui, il fait une zone de tacle. S'il pousse, j'ai des zones de tacle. Non, il est pas si mal que ça là, ici. Je vais avoir du mal à... Ah bah voilà, double crâne, c'est bien ça. Là, il va se faire une cage, je pense. Là, il marque tout le monde. Ok.
Bon, on va relever ces petites merdouilles, hein. C'est tout. J'ai un build direct là-dessus. Donc, au cas où, on va faire ça. Ça va ramener de la défense. De toute façon, je vais avoir un mec qui va se relever là. C'est mon bloodger, lui. Je vais ramener un peu de défense par là. Je devrais peut-être l'utiliser plus agressivement. Parce que... il peut... Je pense qu'il peut se mettre au contact. Je vais le ramener par là. Au cas où. On va... Je sais pas si c'est bien de le marquer. Je vais avoir besoin de renfort à droite. Je vais le mettre plutôt là. Bon, allez, on va jouer, on va... Faut tenter des trucs. Ok. Ensuite... Ah mais oui, mais merde, lui, je fais le blitz, je suis con, avec un GFI. Ok. Non, il fait des zones de tac, je vais le laisser là. Touche. Je vais lui faire perdre un point de mouvement. Mettre là et il est marqué par lui, j'avais pas vu, et non, vaut mieux que je reste comme ça. Aucun effet à long terme, je prends pas. Voilà, là c'est le moment où ça, où mes armures craquent. Bien joué ça. Parce que là, je vais plus savoir où donner de la tête. Alors, on remonte lui. Lui, on va le marquer. Là, j'ai un bloc. Donc, on va éviter. Non, je vais le laisser là, il fait bien sa zone d'attaque.
Oh là là. Ah, je suis con, j'aurais pas dû avancer, j'aurais pu le surfer. Non, c'est pas... En même temps, je préférais Blitz lui. Pour pas perdre le point de mouvement. On va se mettre là, on va se servir des cadavres. Donc là, il a juste blitz lui pour faire un trou. Hein. J'ai un trou par là aussi. Donc on va essayer de se mettre par... par là. Là, là, si je me mets là, ça fait un trou. Faut que je me mette au... Ah, il faudrait que je me mette là. Mais du coup, il y a un trou par là. Ça m'emmerde. Il a lui. Il me reste une minute pour réfléchir à mes placements. À moins que je le mette là. Il tape. Lui est tout seul. Je sais pas quelle est la meilleure position. Je réfléchis un peu trop, mais... Je pense que je vais le remettre par là. Ça lui laissera un trou ici. Là, j'en ai deux, donc en fait, je peux me mettre là. Parce que j'ai une zone d'attaque là, quand même. Je suis pas sûr de moi. Ah là là, ça touche, ça touche. Je marque peut-être pas assez ces joueurs, je devrais peut-être tenter un changement de stratégie et marquer au plus ces joueurs. Ce n'est pas au bon moment. Oh. Flûte. Bon. Alors c'est quoi le play? 4 de force, bloquer un dé, il a pas bloc, j'ai bloc. Il y a peut-être un truc à faire. On va ramener du monde par là. On va marquer lui. Faut pas que je me bloque le passage par contre. Ce que je viens de faire. Euh...
J'ai fait de la merde là. Genre... Ouais. Oui, bah oui, je relance la trépidité. Ouais. Ah! Pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon. Je voulais avancer sur le porteur en plus, mais. Allez, quoi! C'est pas vrai! Je vais me mettre là. Ça emmerdera. Ah. Bon, c'est pas terrible. Parce qu'il peut me peut faire un touchdown là. Ah, il dégage lui, il fait une passe. Voilà. Il fait une transmission, pardon. Avec sur une des chèvres ou sur même sur le cul. Voilà, transmission, touchdown. Touchdown. GG. Bon. J'ai mal joué. Bah ma foi c'est pas trop mal ça, bloc, bloc, non. On a dégagé un bloqueur mais... Oui, bloc, bloc, réception. Bon, bah faut marquer. Ok, bon, déjà la balle est protégée, ça me va. Ok, oui, je poursuis. Merde, je me suis planté. Je me suis planté. Je vais pas faire le bloc du coup de suite. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Je voulais, fallait que je mette un lutteur là. Bon, c'est pas très très grave, mais. Ils vont se prendre des tartes, hein. Tant pis. Faut qu'ils se prennent des tartes.
2D avant le ramassage, oui. Je vais le mettre par là, parce qu'il faut coller des torgnoles. Je pourrais blitzer un de ces mecs du chaos, mais après le ramassage, je me serais mis à l'abri par là. Je vais d'abord faire le ramassage pour voir ce qui se passe. Voilà, très bien. Allez, quoi? Ok. Et du coup, j'aurais dû... Ah, mais putain, j'avais dit que je ferais le bloc avant le ramassage. Je suis pas concentré. Oui. Paf, ça touche. C'est bon. Allez, on joue la chance. Voilà, donc là, la chance a tourné. J'ai eu du bol sur la première mi-temps. Et là, c'est la fin. Ça sortait. Bon, faudrait au moins que je sais pas, que je fasse l'égalité. Putain, je sais pas pourquoi j'ai pas fait le bloc au milieu, quoi. Ça touche là. Et ça. Wow! Alors, c'est quoi le plan? Il a laissé une chèvre à l'arrière avec châtaigne, normal. Donc, déjà, on va relever ça. On va bloquer ça. Comme ça, ces mecs du chaos sont occupés. Ensuite, on va relever lui. Voilà, donc faut que l'intrépidité tique, bien évidemment. Je vais le remettre là pour ajouter une deux tacles. Voilà, allez. Non, n'importe quoi. Je voulais le mettre là, mais pas grave. N'importe quoi, je l'ai mis pas là où je voulais. C'est pas grave. Putain, je fais de la merde. Je suis pas concentré, faut que je me rétablisse. Donc lui, il a un support, donc c'est mort. Lui, c'est mort. En fait, j'ai presque envie de blitz là et démarquer un mec tout de suite. Allez quoi. Voilà. Enfin. Putain. Mais le nombre de doubles KO que j'ai eu au moment où il fallait pas que j'en ai, quoi. Bah on va rester là.
Et prochain tour, faut que je débarque un joueur, sachant qu'il a une bête à l'arrière. Il pousse sur la balle. Ok. Bah, je pressens l'égalité quand même. Il va débarquer une de ses chèvres. Il va taper comme ça et il va ah bah non, il va... Si, il va taper comme ça et il va démarquer une de ses chèvres. Ah bah merde. Alors... Intrépidité comme ça, bam. Blitz comme ça, je démarque. Ah ouais mais j'esquive, donc je fais ça, 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 et je cours. Ça va être tendu du slibard, donc on relève. Ah, j'ai presque envie de mettre le paquet, mais... Le problème, c'est que si je mets pas le truc comme ça... Bon. Ah oui, mais non, parce que hein, je peux pas l'intrépidité... Si, c'est bon. C'est bon, ça passe, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ok. Toi, est-ce que tu peux marquer? Non. Donc. Oui, je relance. J'ai pas... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 GFI. Ok. Ça, c'est... Alors, je peux faire le bloc. Un dé là. Si je le mets là, je suis bien. Je vais le tenter parce que si je le mets là, ça... C'est tendu. La fin de match tendue. Ah.
je l'ai pas vu, lui. Ah! La relance. Yes. Non! Il a lutte! Mais oui, j'avais pas vu sa lutte. Ah, bien joué. Ah bah, voilà. Dégoûté avec un paysan, quoi, avec un pecno. Je suis désolé, Codinir. 2, je vais relancer ça. 3, si on... c'est un peu mieux. Ah, je suis content. Ah, je suis content. Ah, cette chance. Un GFI sous la neige en plus, quoi. Oh là là, bon, fallait que je le tente. Hein. J'avais cru qu'il pouvait y aller, donc. Un SPP sur un 3 quarts, bon, c'est pas top d'avoir les SPP sur les 3 quarts, hein, parce qu'ils meurent rapidement avec leur set d'armure. On s'est fait un peu d'XP quand même, c'est pas mal. Une blessure, 2 touchdowns, joueur du match, une passe, oui j'ai fait une passe au début. Je suis, voilà, l'action qui passe à la fin, ne jamais abandonner. Sans relance en plus, putain. Je suis content. J'ai eu la chance au moment où il fallait, quoi. Bon, bah du coup, ça fait une victoire pour les phares, donc c'est bien. Ce qui veut dire que il nous faut une autre victoire. Et normalement, on est safe, et je crois... Enfin, faudrait regarder, je sais pas si le goal average est pris en compte. Mais normalement, si Krug ou si Heinekar font une victoire... on devrait être qualifié, je crois. Faudrait que je revérifie ça, je suis pas sûr. À mon avis, je ferai une petite vidéo pour. Enfin, à mon avis, Sirmanes va en faire une, mais j'en ferai une toute petite pour expliquer où se situe particulièrement l'équipe phare qui a fait quoi, etc. Voilà. Bah, je suis content. J'ai eu de la réussite à la fin. Voilà. Le match était plutôt équilibré, j'ai trouvé. Donc, c'était plutôt cool. Un peu mou en termes de blessures, mais bon. Une blessure de part et d'autre, je crois. KO subi, une sortie subie, ouais, c'est ça. J'ai fait un KO à un moment aussi, oui, c'est vrai. KO infligé, KO subi, oui, voilà. Une blessure infligée, une blessure subie, je sais, ouais, oui, c'est bon. Une blessure chacun, qui, c'était des commotions. Non, ça va, le match était plutôt équilibré. Voilà, j'ai fait des erreurs, je pense avoir pas trop mal joué. Godinier a très bien joué aussi, en tout cas j'ai trouvé. Voilà, non, c'était plutôt sympa. Bah, je te remercie Godinier pour ce match, si tu regardes la vidéo. Et puis bah, je vous dis... à la prochaine, puisque du coup, moi, c'était mon dernier match de la MTT avant de savoir si on est qualifié. Donc, voilà. Voilà, je sais pas finir mes vidéos. Donc, ciao tout le monde.